Coucou les filles, on est au Rock Village, c'est le camping VIP du Rock Werther. Et alors là, on va un peu aller voir si c'est pas un peu triché que de dormir ici. Alors on va déjà aller voir comment sont les tentes ici. Venez. C'est déjà un peu plus classe que nos vieilles tentes Quechua. Tada! Alors testons le matelas. Ça me semble très bien. On va aussi tester le bruit parce que je sais pas vous, mais en général quand on dort dans une petite tente dans le camping d'un festival, on entend tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc je vais demander à ma collègue de crier dehors pour voir ce que ça donne. Tous ensemble, tous ensemble, hey! Tous ensemble, tous ensemble, hey! Hey! Ok, on entend quand même un petit peu, mais ça me semble déjà mieux que dans une tente d'un camping normal. Ok, c'est vraiment pas un camping comme les autres parce qu'ici, on n'a même pas besoin de se maquiller toute seule. Alors on va voir un peu les douches, comment ça se passe, s'il y a de l'eau chaude, si les gens sont propres, allons voir. Alors monsieur, est-ce que vous avez eu de l'eau chaude? Oui. C'est parfait. Les douches sont très, très bien ici. Maintenant c'est le test ultime, on va découvrir à quoi ressemblent les toilettes du Rock Village. Attention. Alors c'est parfait. Il y a carrément une planche, c'est des vraies toilettes. Il n'y a même pas une montagne de caca à l'intérieur et il y a même une chasse, si ça c'est pas la classe. Alors non, vous ne rêvez pas, il y a bien des jacuzzis là derrière moi, oui oui. Alors on va un peu voir si l'eau est chaude et si c'est cool. Alors est-ce que tu as l'impression d'être un peu en vacances là? Oui oui, avec le soleil c'est très bien. Dommage que j'ai oublié mon maillot. Hein. Alors il y a vraiment beaucoup de food truck ici. Et au nom de Flair, je veux bien me sacrifier et goûter tout. Alors pour finir en beauté ce marathon de la bouffe, on va manger une grosse glace. Ça a l'air trop bon! Bon ben voilà, Rock Werther touche à sa fin. Faut dire que le Rock Village c'était vraiment le rêve, le luxe, le paradis. Mais maintenant, il est temps de faire la vraie festivalière et d'aller un peu se rouler dans la boue. Allons-y.